Bonjour à tous, et bien je vous souhaite une merveilleuse année 2024, que le Seigneur nous aide à grandir vraiment à son image et à sa ressemblance, que nous puissions chaque jour l'aimer un peu plus, qu'il vienne dilater notre âme pour que nous puissions accueillir et bien davantage tout ce dont il veut nous combler, que nous puissions comprendre toutes ces vérités vraiment qui sont des vies divines qu'il sort de lui, que nous puissions nous en abreuver quotidiennement et que nous puissions les mettre en pratique, nous unir tout le temps à Jésus, qu'il n'y ait plus d'espace entre lui et nous, que nous soyons vraiment identifiés à lui, consumés en lui, que nos volontés soient fusionnées dans la sienne et ce, continuellement. Jésus, eh bien, aide-nous à te plaire chaque jour davantage et vraiment que nous puissions être comme des échos de toi-même, que nous puissions être d'autres toi sur la terre, que nous puissions être comme des petites hosties pour toi, et que nous puissions t'amener continuellement réparation, amour, louange, bénédiction, action de gloire, et bien au nom de tous, que nous puissions compenser tous les vides d'amour, être là pour te donner à chaque fois les actes opposés à toutes les offenses et bien qui t'assaillent et qui te blessent le cœur, que nous puissions être des petites sources de réjouissance pour toi, que tu puisses te reposer en nos cœurs, que nos cœurs soient pour toi eh bien, des refuges, des lieux d'amour, des petits tabernacles de tendresse, des palais célestes. Seigneur, façonne-nous, rends-nous comme tu voudrais que nous soyons. Et je voudrais eh bien profiter de cette journée aujourd'hui où nous fêtons notre maman chérie, Marie Sainte Mère de Dieu. Eh bien, pour lui demander également son aide pour cette année 2024, que nous puissions nous laisser guider, qu'elle puisse nous donner tous les jours une petite gorgée, une petite goutte de la divine volonté, une petite goutte d'amour, une petite goutte de lumière, pour que notre agir, eh bien, soit comme l'agir de Dieu, que nous puissions tout faire en union avec Jésus et que ce soit sa divine volonté qui puisse être totalement souveraine en nous, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de nos humanités. Voilà, Seigneur, rends-nous dociles à ton Esprit Saint. Rends-nous eh bien, humbles. Viens vraiment pulvériser en nous notre orgueil. Voilà, tout ce qui nous empêche cette union avec toi. Retire en nos cœurs tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Tout ce qui t'offense, tout ce qui te blesse, retire tout, Seigneur, et qu'il y ait vraiment cet espace magnifique pour que ta divine volonté eh bien, puisse tout faire en nous. C'est ce que nous voulons, que tu continues ta vie en nous, Seigneur. Alors nous te remercions infiniment pour cette année 2023. Tout ce que tu nous as donné, toutes ces grâces, vraiment, je crois que nous pouvons prendre le temps pour nous arrêter et remercier le Seigneur avec ses propres remerciements pour tout ce que nous avons reçu. Vraiment, c'est incroyable, ne fût-ce que ces enseignements du livre du ciel qui nous ont travaillé, qui vraiment nous ont forgé et qui nous ont transformés. Merci Seigneur infiniment pour tout ce que tu vas encore nous donner. Nous te faisons confiance et nous voulons être eh bien, comme des petits bébés entre tes bras. Nous voulons être totalement abandonnés à toi et vraiment que ta volonté soit faite sur nos vies, dans nos vies Seigneur. Et nous te demandons que vienne s'établir sur la terre ton royaume et que, voilà, en cette année 2024, eh bien, beaucoup d'âmes puissent être touchées, converties, sanctifiées, qu'elles puissent revenir à toi, qu'elles puissent t'aimer, que tu puisses retrouver cette place d'honneur au milieu de tes enfants. C'est vraiment ce que nous souhaitons. Et nous prenons cet instant, eh bien, pour vous recouvrir tous les deux. Toi et ta maman, eh bien, de votre amour respectif. Nous voulons vous recouvrir de vos baisers respectifs, de votre tendresse, de votre affection, de vos gestes affectueux. Nous voulons vraiment récapituler vos deux vies et vous les offrir mutuellement. Voilà, nous voulons vous recouvrir également de l'amour trinitaire, de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps, de tous les hommes qui vous ont aimé, qui vous aiment et qui vous aimeront. On veut récapituler ces chapelets, les rosaires, les dévotions, les martyrs, les mortifications, les sacrifices, les jeûnes. Voilà, tout ce qui a pu être fait en amour, vraiment par amour pour vous. On reprend tout, on plonge tout, Jésus, dans ton acte unique et éternel d'amour pour tout refaire, tout magnifier, tout sanctifier parce qu'on ne veut vous offrir que du divin. Alors on refait tout et on vous offre tout continuellement. Et on veut le faire à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos battements de cils, à chacun de nos micro-mouvements, les nôtres, mais aussi ceux de tous les hommes, de tous les temps. À chaque instant, reçois des flots d'amour, Jésus. Marie
reçois également des flots d'amour et soyez bénis, soyez loués, soyez glorifiés et vraiment recevez à chaque instant, eh bien, cette demande incessante que vienne s'établir Jésus ton royaume, que toutes les paroles de notre Père puissent eh bien, être eh bien, déposées sur chaque élément créé et que cela puisse résonner continuellement. Nous savons que ce que nous faisons dans ta divine volonté, Jésus, eh bien, cela devient divin, éternel, puisqu'il y a ce pouvoir créateur dans la divine volonté de multiplier à l'infini ce que nous faisons. Alors vraiment, quand nous te disons « Je t'aime, Jésus, avec ta volonté », nous savons que ce « Je t'aime » est en train de se répercuter partout et est en train de remplir le ciel pour donner une gloire accidentelle au bienheureux, au saint, pour te glorifier parfaitement, glorifier ton Père, l'Esprit Saint, une joie aussi dans vraiment dans le purgatoire où les âmes vont pouvoir être purifiées plus rapidement, joie sur la terre avec des âmes qui reviennent à toi, joie partout dans la création. Donc Seigneur, c'est ce que nous voulons, c'est vraiment inonder le ciel et la terre de notre amour pour toi, uni bien sûr à ton amour, à celui de ta maman. Alors Jésus, maintenant, nous allons prendre un petit moment pour méditer eh bien, une vérité du livre du ciel que tu vas nous donner voilà, pour nous faire grandir en sainteté. Nous savons bien que chaque vérité que tu nous donnes, chaque enseignement, c'est une partie de toi. Tu l'as dit, tous les mots sont bénis. Et vraiment, je sors une vie divine de moi. Chaque vérité vaut plus que toute la création entière. Chaque vérité est là pour vraiment... être comme une douche de lumière pour votre âme, comme un baume exhalant dans votre âme, pour vous transformer et vous donner cette soif, parce qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc je veux vous donner cette soif, nous dit Jésus, et bien de vous unir à moi, de faire des rondes, de me louer, de me bénir, de réparer au nom de tous. Alors Seigneur, que cette connaissance que nous allons recevoir et bien puisse vraiment faire grandir en nous cette soif des choses du ciel et que nous puissions t'inviter dans toutes nos actions. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, voilà, nous nous immergeons tous en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour. Nous nous unissons à toi, nous fondons nos volontés dans la tienne et vraiment nous te demandons de venir faire tout en nous. Viens, divine volonté, regardez à travers nos yeux, viens, divine volonté, parlez à travers nos bouches, viens, divine volonté, écoutez à travers nos oreilles, viens, divine volonté, pensez à travers nos pensées, méditez à travers notre intelligence, viens, divine volonté, faire battre nos cœurs, viens, divine volonté, agir à travers nos actions, viens, divine volonté, dans tous nos mouvements conscients et nos mouvements internes de nos organes, etc., viens, divine volonté, faire circuler eh bien, notre sang, vient, divine volonté, bouger dans nos pieds, marcher, vient, divine volonté, tout faire en nous comme en Jésus, dans sa divine humanité. Vraiment, Jésus, que nous puissions être d'autre toi sur la terre et que tu puisses à chaque fois, eh bien, prononcer ce fiat créateur sur notre âme pour que vraiment, voilà, à chaque acte où nous allons nous unir à toi, eh bien, nous puissions devenir les petites hosties, vraiment pour te nourrir et t'amener de l'amour, Seigneur. Alors Jésus, eh bien, je te demande voilà, de nous disposer, de nous donner ton intelligence, ta sagesse, ta compréhension pour que rien ne nous échappe et que nous puissions vraiment digérer cette nouvelle vérité que tu nous donnes, que nous puissions nous en nourrir et la mettre en pratique. Vraiment, cette mise en pratique, tu nous en parles tout le temps. Alors vraiment, voilà, donne-nous pour 2024 eh bien, cette grâce de pouvoir faire plus d'actes en fait. Il n'y a que vraiment dans cette mise en pratique, dans cet appel en fait, toutes les fois où on va t'appeler pour venir faire les choses avec nous, il n'y a que dans cette mise en pratique que nous allons pouvoir rentrer en possession de tout et reprendre notre place d'enfant de lumière, d'enfant de Dieu. Si nous lisons, c'est déjà magnifique, ces vérités nous travaillent, nous façonnent, mais Jésus dit, il faut cette mise en pratique. Si vous lisez et que vous ne le mettez pas en pratique, eh bien, finalement, les parfums s'estomperont dans votre âme, etc. Donc, allez-y, appelez-moi, faites des rondes, voyez comment j'ai enseigné Louisa, ce qu'elle fait, comment elle prie, comment elle s'abandonne, faites, c'est votre chef de file, suivez-la et vraiment restez unis à moi continuellement, fixez vos regards, plantez-les dans mes yeux, vraiment venez fondre votre humanité dans la mienne, venez fondre votre humanité dans ma divinité, vraiment venez couler vos actions dans les miennes, venez couler vos pas dans les miens, invitez-moi dans vos actions, je veux continuer ma vie en vous. Je veux que vous soyez vraiment des extensions, des débordements de moi-même. Alors Seigneur, oui, nous t'invitons, viens tout faire en nous, parce que nous t'aimons et nous voulons que vraiment tu puisses être totalement glorifié à chaque instant de nos vies. Nous voulons que nos vies eh bien, soient des offrandes éternelles pour toi, d'amour, de louange et de bénédiction.
Parle maintenant à travers ma bouche, Jésus, et je te demande eh bien, d'envoyer ton Esprit Saint sur chacun de nous, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 16 avril 1928. Nous sommes donc dans le volume 24 et c'est Louisa qui parle. J'aurais voulu trouver, voilà, en l'honneur de notre maman chérie du ciel, eh bien, des passages pour l'honorer, pour la louer, pour la bénir. Et vraiment, les livres du ciel en sont truffés. Je sais que particulièrement le volume 24 est juste magnifique et merveilleux. Il parle tout le temps de la Vierge Marie. Mais voilà, par manque de temps, je continue. Nous savons que chaque vérité est importante et va opérer quelque chose en nous. Et voilà, nous nous unissons à la Vierge Marie pour accueillir cette vérité et pour la laisser vraiment s'infuser en nous. Je réfléchissais à la divine volonté et mille pensées me trottaient dans la tête. Comment son royaume peut-il venir? Comment les créatures seront-elles capables de recevoir un bien si grand et de s'élever aussi haut pour entrer dans ce fiat d'où est sortie la création? Voilà, à nouveau Louisa, elle se demande, nous sommes dans l'entre-deux-guerres, 1928, elle se dit, l'homme est tellement méchant, tellement mauvais, il y a tellement de perfidie, tellement d'hommes déconnectés en fait de Dieu. Elle se demande comment une telle sainteté, puisque Jésus parle de cette sainteté ultime, de la sainteté même de son Père, qui dépasse tout, un acte fait dans la divine volonté, eh bien, est plus beau, apporte plus de gloire que la vie de tout un saint, que vraiment tous les actes d'amour possibles et imaginables faits dans nos volontés propres. Donc elle dit, mais comment les hommes vont pouvoir recevoir autant de connaissances, vont pouvoir revenir à Dieu, vont pouvoir se tourner vers Jésus, comment ils vont pouvoir l'aimer, comment ils vont pouvoir eh bien, entrer dans ce fiat d'où est sortie la création, comment ils vont pouvoir s'élever et greffer leurs âmes dans le soleil de la divine volonté. Je pensais à tout cela lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit, ma fille, ma volonté possède la vertu de purifier, nettoyer, embellir et changer la nature elle-même. Donc Jésus rappelle à Louisa pour la énième fois que ce ne sera pas un travail vraiment où l'homme va devoir essayer de devenir meilleur pour pouvoir se rapprocher de Dieu, pour pouvoir s'unir à Dieu. Non, il n'y a rien à faire, il suffit juste de garder nos yeux sur Jésus et de lui dire oui avec constance et persévérance. Oui, nous voulons vivre dans ta divine volonté, nous te redonnons notre fiat tous les jours que nous unissons au fiat de Maman Marie. Nous te le donnons le matin avec nos actes préalables et puis tout au long de la journée, nous te manifestons eh bien, notre désir de te voir vivre en nous, vraiment que nous puissions être comme toi Jésus, que tu puisses venir faire tout en nous, que ce soit ta volonté à toi qui agisse et opère à partir de nos humanités. Donc Jésus nous dit ici à travers la personne de Louisa, ma volonté c'est elle qui va opérer tout le travail. Si vous voulez vivre dans ma divine volonté, ma volonté a la nature eh bien, d'embellir l'âme, de la purifier, de la nettoyer, de changer la nature même de l'homme. Donc on se plonge dans la divine volonté avec constance et Jésus vient lui-même avec sa maman et bien défricher notre âme. On peut vraiment s'imaginer notre âme remplie de choses vilaines, de puanteur, de noirceur, tout ce que nous avons emmagasiné à travers les années voilà, où nous avons agi sans Jésus. Et bien toutes ces choses putrides, Jésus vient tout retirer. Il n'a pas peur de nos faiblesses. Même dans d'autres passages, il nous disait « Amène-moi tes faiblesses ». Vraiment ça ne m'inquiète pas, reviens à moi, amène-moi tes misères, même si ton âme est noire, même si tu as fait des choses atroces, viens, demande-moi pardon, demande-moi la grâce de la vie dans ma divine volonté. Et moi, je me servirai de tes misères eh bien, comme fondation pour mon royaume. Donc je me servirai de toutes tes grâces. Et bien comme base, comme matériel pour te transformer, pour te purifier, pour t'embellir, pour ennoblir ton cœur. Donc c'est vraiment magnifique. Jésus dit donc ma volonté a ce pouvoir vraiment de purifier l'âme qui souhaite vivre dans la divine volonté. Ce qui est très rassurant pour nous. La volonté humaine est comme une semence gâtée en dedans, alors qu'elle semble bonne à l'extérieur. Voilà, même si on agit dans nos volontés propres et qu'on fait des actes qui ont l'air ok, qui ont l'air pieux extérieurement, eh bien c'est comme une semence qui est pourrie à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas
Eh bien, il n'y a pas comme finalité de glorifier Dieu dans toutes nos actions. Très souvent, si on creuse un petit peu, eh bien, c'est vraiment l'ego et la recherche, eh bien, de considération personnelle quand on agit dans nos volontés propres. Très souvent, voilà, on essaye et on est vraiment aux prises. On est comme esclave de nos mauvaises passions, de nos mauvaises tendances. On rechute continuellement. On essaye par l'exercice de vertu, mais on est comme gangréné. En fait, on recherche toujours une petite satisfaction, eh bien, personnelle. Tandis que dans la divine volonté, Jésus nous nettoie de tout et on ne regarde que lui. Peu importe nous, on ne demande plus rien pour nous, on ne cherche qu'à consoler Jésus, qu'à le prendre dans nos bras, qu'à réparer au nom de tous, qu'à lui donner eh bien, la gloire que les hommes ne lui ont pas donnée, on lui donne même la gloire que les âmes réprouvées ne lui ont pas donnée. Donc vraiment Jésus dit, voilà, c'est moi qui vais m'occuper de tout, parce que l'âme qui vit dans sa volonté propre est comme une semence, la volonté humaine est comme une semence qui est toute pourrie en fait, en dedans, alors qu'elle semble extrêmement bonne. Le vêtement qui la recouvre semble en bon état, mais si on le retire, on s'aperçoit que telle semence est à moitié pourrie et telle autre vide. D'autres encore, qui possèdent la vie, ne l'exposent pas au soleil et au vent, et elle finit par pourrir. Voilà des âmes qui ont des bonnes intentions, etc. Eh bien, ne se disposent pas à laisser Jésus prendre le lead de leur vie. Et donc finalement, tout s'estompe et finit par pourrir aussi. Par contre, si la volonté humaine est exposée au soleil et au vent, c'est-à-dire que voilà, si elle se dispose et qu'elle se fusionne dans la divine volonté, en fait, qu'elle laisse la lumière de la divine volonté vraiment la remplir, en fait, il faut vraiment qu'il y ait cette union, cette fusion entre nos volontés propres et la divine volonté, eh bien, à ce moment-là, eh bien, si elle s'expose au soleil et au vent, la lumière, la chaleur et le vent vont détacher la partie gâtée, la partie pourrie et vont purifier la semence et lui donner une vie nouvelle. Donc, il faut vraiment cette disposition. Et vraiment cette disposition, c'est quoi? C'est voilà, se plonger dans les écrits du ciel avec persévérance, et bien continuer à recevoir tous ces enseignements, nous laisser travailler, essayer de mettre en pratique, essayer de faire des rondes, même si voilà, on ne sait pas très bien comment s'y prendre. Et bien Jésus va opérer en nous. Voilà Jésus, que ta volonté soit faite dans ma vie et viens tout faire en moi, viens prier en moi, viens méditer en moi, viens parler en moi, viens marcher en moi, viens tout faire en moi. Je te laisse vraiment le gouvernail complet de ma vie. À ce moment-là, et bien notre volonté humaine va être purifiée au contact de toute cette lumière. Elle va être comme engloutie dans la lumière. On vient amener nos petites gouttes noires dans cette grande mer de lumière, comme dans les prières préalables. On parle souvent de cette mer de lumière, cette mer contenant absolument tous les attributs divins de Jésus, ses œuvres divines, contenant ses qualités divines. Voilà, sa divinité, son humanité, sa volonté, ses mérites, son sang, ses souffrances, il y a tout. Et on vient poser voilà, nos petites gouttes de misère. Et tout devient lumière en fait. On devient lumière, on s'unit à la lumière et on devient lumière. Et vraiment dans cette mer de lumière, et bien tout ce qu'on fait lorsqu'on bouge dans cette mer de lumière, on crée des vagues de lumière qui vont avoir vraiment un impact sur les autres âmes, du passé, du présent et du futur. Ce n'est pas notre lumière, c'est la lumière même de Dieu, c'est son amour qui déborde de notre humanité, qui déborde et bien de nos regards, de nos paroles, de nos mouvements, de nos pas, de tout ce qu'on fait en union avec Jésus. Telle est la volonté humaine, une semence pourrie, une semence gâtée, pleine de fumée et de pourriture, à moitié putréfiée. Cependant, toutes les semences ne sont pas complètement mortes. Certaines ont en effet un filet de vie. Bon, il y a des âmes totalement obstinées qui ne veulent pas de Dieu et qui sont presque mortes à la grâce parce qu'elles se détournent. Et quelque part, on est tous appelés à être câblés au cœur de Dieu. On a tous été conçus dans l'amour, générés dans l'amour. On est tous attachés au cœur de Jésus. Et quand nous choisissons eh bien, de nous éloigner de Jésus, on arrache une partie du cœur de Jésus. On ne veut pas de lui. Et vraiment, on meurt en fait. On meurt à la grâce. On est tous cette vie divine en nous et on veut se débrouiller seul. Donc, il y a vraiment les âmes qui ne veulent pas, qui ne veulent plus. Eh bien, ce lien de communication avec Dieu. Mais il y en a d'autres eh bien, qui ont encore de bonnes intentions. Et Jésus dit, eh bien, ce petit filet de vie, si elles reviennent à moi et qu'elles me disent, voilà Jésus, je m'abandonne à toi, comme cette prière de Don de Lindo, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser, que ta volonté soit faite dans ma vie. Eh bien, à ce moment-là, ces âmes, comme Jésus le dit ici, elles vont être exposées au soleil de ma divine volonté. Sa lumière, sa chaleur et son vent pénétrant investiront la semence de la volonté humaine et la lumière et la chaleur nettoieront la semence en retirant ce qui est gâté. Donc pour toute âme qui le désire en fait,
Vraiment, c'est rien du tout, c'est une intention. Oui, Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. Et c'est Jésus qui va se charger avec sa lumière, sa chaleur, sa beauté. Voilà, il parle même voilà, de vent, comme un vent purifiant. Il prend cette image vraiment du petit vent qui vient tout balayer, de la chaleur qui vient réchauffer notre âme. C'est lui qui va s'occuper de tout. Et ça, je trouve ça magnifique. Parce que voilà, on a tous fait des péchés, on a tous eu des comportements totalement déconnectés du divin vouloir. Toutes ces années où on ne connaissait pas la divine volonté, eh bien, nous avons enfoncé comme autant de couronnes, de feu, d'épines dans la tête de Jésus, comme autant de clous dans ses mains, dans ses pieds, pour chaque mauvais pas déconnecté, pour chaque mauvaise action. On a enfoncé des clous partout dans son corps, on l'a flagellé, on lui a craché dessus à chaque fois. Mais nous revenons à lui. Et vraiment, nous lui disons que nous l'aimons et que nous voulons tout réparer, nous voulons refaire toutes nos vies dans sa divine volonté. Il est possible de le faire, Jésus. Nous reprenons toutes nos souffrances, ces souffrances perdues que l'on ne t'a pas offertes. On les récapitule depuis la première souffrance que j'ai vécue, peut-être dans le sein de ma maman, jusqu'à la souffrance que j'ai peut-être vécue aujourd'hui. Je les reprends toutes. Et je te les offre, Jésus, je les unis aux tiennes, parce que mes souffrances vont dès lors porter les souffrances, les fruits de tes souffrances rédemptrices, et des milliers d'âmes vont pouvoir être sauvées. Et de la même manière, eh bien, je récapitule toute ma vie, tous mes regards, tous mes pensées, mes paroles, mes pas, toute ma vie, tout, absolument tout, et j'immerge tout dans ton acte unique et éternel d'amour pour tout refaire, pour que ma vie ne soit que louange, qu'amour, que bénédiction pour toi. Continuellement. Et ce, je veux jusqu'à mon dernier souffle, Seigneur. Vraiment, garde-moi uni à toi et ne permets jamais que je te quitte. Garde-moi dans ton cœur tout brûlant d'amour et vraiment consume-moi pour que je puisse devenir cette petite torche d'amour dont tu nous parles. Voilà, il suffit de revenir à toi, Jésus, de se laisser toucher par les flammes de ton amour, de se laisser purifier pour devenir nous-mêmes torche d'amour. Et c'est vraiment ce que je souhaite pour chacun de nous, voilà, pour cette année 2024 et pour toutes les années qui vont suivre, que vraiment nous puissions t'aimer, que vraiment voilà, cet amour soit brûlant. Vraiment, moi, je préfère mourir d'amour pour toi que mourir desséché sans amour. Aussi, eh bien, donne-moi tout l'amour que les hommes n'ont pas voulu, tout cet amour que tu as voulu déverser dans les cœurs. Et vraiment, cet amour qui a été bafoué, qui a été rejeté, eh bien, tu peux le déverser dans mon cœur, dans le cœur de toutes les personnes qui t'aiment. Remplis-nous de ton amour à ras-bord, Jésus. Nous y ajoutons nos « je t'aime » et nous te réoffrons tout au nom de tous. Et ce, continuellement, Jésus. Voilà. Eh bien, donc, tous ces rayons de lumière, cette chaleur, voilà, si on s'expose à toi, Jésus, si on revient vers toi, si on est disposé à vivre dans ta divine volonté, eh bien, toute cette lumière, tous ces rayons, ces petits vents rafraîchissants, la rempliront cette âme de vie. Parce que voilà, quand on vit dans nos volontés propres, on étouffe cette vie divine, en fait, qui nous est donnée depuis toujours. Voilà, cette vie qui ne demande qu'à grandir, en fait. On étouffe cette vie en nous, sous des décombres, des noirceurs de nos volontés humaines. Mais quand nous choisissons de nous unir à toi, Jésus, à chaque fois que nous nous unissons à toi, à chaque fois que nous prions, nous réparons au nom de tous, etc., eh bien, nous alimentons cette vie divine qui peut croître en nous. Ils la rempliront de vie, et le vent dominant de mon fiat jouera avec elle, l'élevant jusqu'à l'enclore dans ce fiat d'où il est sorti. Donc Louisa s'est demandé, mais comment les hommes vont devenir meilleurs? Là, vraiment, ils sont tellement immergés dans leur volonté humaine. Et Jésus dit, il suffit de pas grand-chose. En fait, il suffit d'un regard dans notre direction, un peu d'amour, une intention vraiment de nous donner la première place. Et le tour est joué, en fait. L'âme va être purifiée et nous allons l'élever. Nous allons vraiment la faire grandir, l'élever jusqu'à l'enclore dans le divin fiat d'où elle est sortie. Et avec sa vertu, il changera la nature de la semence en lui rendant sa vie originelle. Donc vraiment, cette semence va être nettoyée pour nous redonner cette place à laquelle Dieu nous attend. Voilà, comme Adam dans son état d'innocence, vraiment cette place royale, cette place d'enfant de lumière. Il lui suffit pour cela de s'exposer au soleil de ma volonté et aux rayons brûlants et éclatants de ses connaissances. Donc vraiment, les connaissances sont primordiales. C'est ça, tous ces rayons brûlants, etc. C'est se disposer par le biais de ses connaissances du livre du ciel. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Jésus nous le dit tout le temps. Donc, à travers ses connaissances, Jésus nous travaille
pour nous donner l'envie de mettre en pratique. Et ce n'est que dans la mise en pratique que nous allons pouvoir eh bien, grandir dans la ressemblance avec Jésus. Donc Jésus nous dit, venez, venez aujourd'hui vous exposer aux connaissances de ma divine volonté. Venez vous laisser brûler par mon amour. Chaque connaissance va opérer quelque chose en vous. Et à chaque fois, eh bien, vous allez vous unir à moi et je vais prononcer ce fiat créateur sur votre âme et quelque chose de nouveau va se créer en vous. Nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouvelle pureté, nouvelle bonté, nouvelle beauté au point tel que toute la cour céleste, tous les saints, tous les anges, les bienheureux, eh bien, se réjouissent et viennent regarder ce qui est créé à chaque fois que l'on s'unit avec Jésus. Donc maintenant, nous sommes unis à Jésus pour méditer eh bien, cette vérité qu'il nous donne. Donc il y a quelque chose qui est créé en chacun de nous. Il y a quelque chose de magnifique, il y a comme un soleil somptueux qui est en train de convertir des milliers d'âmes partout. Voilà, si nous sommes quelques personnes à méditer ensemble, eh bien, nous pouvons être sûrs que voilà, il s'opère des miracles dans nos familles, dans nos proches, dans les âmes de ceux que nous aimons, de ceux que nous ne connaissons pas, de tous les hommes, et que le royaume descend un peu plus rapidement sur la terre. Il lui suffit pour cela de s'exposer au soleil de ma volonté et aux rayons brûlants et éclatants de ses connaissances. Donc peut-être que pour 2024, nous pouvons demander cette grâce eh bien de pouvoir avoir cette constance de lire au moins 30 minutes par jour les écrits du ciel. Voilà, tout le temps, de pouvoir recevoir, de faire passer cela avant tout. On se réveille peut-être une demi-heure plus tôt que d'habitude et on se plonge dans les écrits du ciel. En union avec Jésus pour comprendre et recevoir. Et encore mieux si on peut se lever une heure plus tôt et lire une demi-heure des écrits du ciel et faire une demi-heure, une heure de la passion de Jésus, voilà, pour lui offrir eh bien, ses propres réparations, pour offrir au Père eh bien, les prières même de Jésus, lui offrir eh bien, ses souffrances, ses peines et vraiment que des âmes puissent recevoir eh bien, les fruits de toutes les heures de sa passion. Ça, c'est vraiment, ce serait magnifique. Seigneur, donne-en nous la grâce. Voilà. Organise nos journées pour que nous puissions placer eh bien, une demi-heure des écrits, de lecture des écrits du livre du ciel et une demi-heure pour méditer les heures de ta passion. Ça, ce serait magnifique. Et puis, si nous pouvons rajouter eh bien, voilà, des chapelets sous forme de ronde, si nous pouvons rajouter eh bien, de pouvoir aller à la messe pour consoler Jésus, vraiment l'accueillir avec sa volonté à lui, vraiment c'est magnifique, et pouvoir le consoler, pouvoir nous unir à lui, être consacré avec lui dans chaque hostie, de pouvoir placer nos je t'aime sur chaque hostie. On peut le faire bien sûr de chez nous, mais on lui amène vraiment vraiment une grande consolation et beaucoup d'amour quand nous venons à la messe pour vraiment le recevoir avec sa volonté à lui, unir notre communion à la sienne lors de la dernière scène pour que notre communion eh bien, porte les fruits de sa communion à lui. Voilà. Et si nous pouvons aussi offrir, eh bien, par exemple, le chapelet de la Divine Miséricorde à 3 heures, dans la Divine Volonté, au nom de tous les agonisants, pour que plus aucune âme ne se perde et que toutes les âmes puissent s'éteindre, voilà, de la meilleure façon qui soit, dans les bras de Marie, dans les bras de Jésus, ce serait magnifique. Et à chaque fois, on peut, dans ce chapelet, eh bien, méditer les heures de la Passion. À chaque fois qu'on dit, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Eh bien, on peut avancer dans la passion de Jésus et voilà, visualiser tous les moments de la passion, les 24 heures de la passion de Jésus, être près de lui, réparer, etc. Donc, ça peut être vraiment un moment de grande communion avec Jésus et un moment également de ronde. Voilà, on peut, dans notre tête, en prononçant les paroles du chapelet, eh bien, voilà, s'imaginer que Jésus à chaque fois est dans nos bras, qu'on lui retire sa couronne d'épines, qu'on l'embrasse, qu'on l'aime, qu'on essuie ses larmes, qu'on l'accompagne, voilà, qu'on le console, etc., qu'on lui offre nos vies, nos volontés pour être crucifié avec lui, etc. Donc vraiment, Seigneur, donne-nous cette grâce déjà de pouvoir nous exposer eh bien, au soleil brûlant de tes connaissances, voilà, des connaissances, ces vérités du livre du ciel. Il lui suffit pour cela de s'exposer au soleil de ma volonté et aux rayons brûlants et éclatants de ses connaissances, de se laisser investir, caresser par sa lumière, réchauffer par sa chaleur, transporter par la force de son vent, afin que le royaume de ma volonté puisse venir sur terre. Voilà, en plus, il y a des âmes qui vont se laisser toucher, qui vont se disposer à accueillir et à recevoir ce grand don. Voilà, au début, Jésus nous prête sa volonté, mais au plus on va faire des actes, au plus, eh bien, il va opérer en nous des transformations pour peut-être un jour nous donner complètement sa volonté. En tout cas, il faut demander ce grand don tous les jours. Ses prérogatives sont aussi celles de l'ordre naturel. Donc Jésus va maintenant prendre des exemples pour nous montrer que voilà, le vent, la chaleur, eh bien, purifie tout, les rayons du soleil brûlant purifient tout ici-bas sur la terre. Si l'air que l'on respire est lourd
et oppressant, un souffle de vent suffit pour vider l'air de ce poids et nous permettre de respirer un air pur. Si l'on ressent une chaleur excessive ou un froid glacial, un souffle de vent suffit pour tempérer cette chaleur ou atténuer ce froid. Si d'épais nuages recouvrent l'horizon, le vent et le soleil suffisent à les dissiper et à faire réapparaître le bleu du ciel, plus beau que jamais. Si un champ menace de pourrir à cause des eaux stagnantes, un vent fort suffit à le sécher. La lumière et la chaleur du soleil peuvent lui redonner vie. Voilà, Jésus voilà, dit, voilà, un vent pur va pouvoir rafraîchir voilà, un air qui est lourd, qui est vraiment chargé de mauvaises choses. Un air pollué, un vent pur va pouvoir vraiment le purifier. Le souffle du vent va pouvoir également tempérer une chaleur trop excessive ou va pouvoir, un vent chaud va pouvoir atténuer le froid. Un vent va pouvoir chasser les nuages, ramener le beau soleil. Le vent et la chaleur du soleil vont pouvoir faire sécher des eaux putrides et ramener vraiment quelque chose de pur en fait. Voilà, peuvent redonner vie à tout. Si la nature peut faire cela, animée par la puissance de ma volonté le peut plus encore sur les âmes qui se laissent investir par elle. Voilà, si dans l'ordre de la nature, eh bien le vent, la chaleur du soleil peut opérer ces purifications. Donc le vent, la chaleur du soleil, si cela peut opérer des transformations et redonner vie à tout, eh bien bien sûr, la chaleur de la divine volonté, vraiment tous ces rayons brûlants de ces connaissances peuvent opérer, peuvent investir l'âme, peuvent vraiment la transformer en fait. Les âmes peuvent se laisser investir par la divine volonté, par la puissance de la divine volonté. Ma volonté va les remodeler. Par sa chaleur, elle détruira ce qui était gâté en elle. Et soufflant sur elle avec sa lumière, elle leur enlèvera le poids de la volonté humaine en les ramenant à leur nature originelle. Petit à petit, le poids de la volonté humaine va être nettoyé de notre âme. Et c'est pour cela qu'au plus on va avancer, au plus on va lire, au plus on va mettre en pratique, au plus on va se gorger de ses connaissances et désirer vivre dans la divine volonté, eh bien, au plus les choses du monde vont perdre en importance. Vraiment, le Seigneur va nous donner cette sainte indifférence pour les choses ici-bas. Et il nous donnera cet amour pour les choses du ciel, cet amour pour lui, vraiment au point tel que vraiment nous n'allons désirer que regarder que lui, que vraiment que nos bouches ne s'ouvrent que pour le louer, que pour le bénir, que nos mains s'élèvent uniquement pour le glorifier, et ne travaillent que pour l'avènement de son royaume, que nos pieds ne marchent que vers lui, etc. On ne va plus désirer les choses ici-bas, on ne va désirer que Jésus. Et vraiment, moi parfois j'ai l'impression de manquer de temps dans mes journées pour faire tout ce que j'aimerais faire pour Jésus, même si tout devient prière voilà, dans la divine volonté, même si on n'a pas l'occasion de faire des rondes, on a l'occasion en faisant nos petits actes que tout devienne une offrande magnifique pour la majesté suprême. Mais vraiment, on aime de plus en plus Jésus et on a envie de faire de plus en plus. On a envie de passer notre temps dans ces livres du ciel et de pouvoir être tout le temps collé à Jésus. Voilà, elle détruira ce qui était gâté en elle. Ma volonté va les remodeler. Et soufflant sur elle avec sa lumière, elle leur enlèvera le poids de la volonté humaine en les ramenant à leur nature originelle. Voilà, c'est pourquoi on a été créé. Donc vraiment cet état de pureté et d'innocence. Lorsque Adam a péché, corrompant la semence de sa volonté, si ma volonté ne s'était pas retirée de lui, sa lumière et sa chaleur auraient pu le restaurer immédiatement. Voilà, Adam, quand il a péché, il a quitté la divine volonté et donc il a perdu le royaume de la divine volonté. Il a tout perdu en fait. Si la divine volonté avait été encore opérante et agissante en Adam, directement il aurait été purifié, il aurait été amené à revenir à Dieu, à se laisser gorger de cette lumière. Mais la justice exigeait qu'il ressente les effets de sa semence corrompue, sa semence pourrie. Et par conséquent, lorsque ma volonté se retira, il ne ressentit plus dans son âme la lumière et la chaleur pour être restauré et protégé de la corruption, la semence de sa volonté. Donc il n'a plus ressenti cette lumière et cette chaleur, il n'a plus ressenti cette fraîcheur, cette force en lui en fait. Il a tout perdu, toutes les qualités divines, etc. Il a comme lui-même, en choisissant délibérément de quitter la divine volonté, obstrué tous les canaux de communication. Et de là, ont découlé tous les maux, il est comme devenu aveugle, et toutes les générations qui ont suivi également ont eu ce gros voile opaque sur leurs yeux. On n'a plus vu l'amour de Dieu partout, il n'a plus entendu la voix de Dieu, il n'a plus ressenti...
vraiment toutes ces inspirations divines, il a été comme, comme en fait coupé, tout a été comme coupé avec Dieu. Il n'a plus ressenti la lumière, la chaleur, la force, la puissance pour être restauré et pour protéger eh bien, sa volonté humaine de la corruption. N'est-ce pas là le royaume de ma volonté, son ardent désir de revenir parmi les créatures, et mieux qu'un soleil, de chasser la corruption hors de leurs semences, afin de pouvoir régner et dominer au sein de la famille humaine. Donc voilà, on revient à Jésus, on veut vivre dans sa divine volonté, on reprend cette place d'Adam innocent, et Jésus, eh bien, par sa lumière, par son amour, par son Esprit Saint, par sa présence en fait, parce que quand on vit dans la divine volonté, Jésus vient réellement s'installer, il vient vivre dans notre cœur avec sa maman, avec le Père, l'Esprit Saint, il vient avec son royaume, il vient avec son trône, et vraiment, sa présence, eh bien, éclipse les ténèbres dans notre âme, éclipse les ténèbres partout autour de nous. Il y a de plus en plus de lumière. Donc notre âme est nettoyée de toute cette corruption, de toute cette méchanceté, de tout ce qui nous gangrène en fait. Je continuais après cela à penser au suprême fiat et mon aimable Jésus ajouta « Ma fille, en prononçant le fiat de la création, ma divine volonté en forma l'écho. » Donc voilà, quand le fiat de la création a été prononcé, nous savons qu'il y a eu 6 fiat pour que Dieu crée eh bien, tout l'univers. Quand le fiat de la création a été prononcé, la divine volonté a formé comme l'écho de ce fiat dans chaque élément créé. Et donc, les qualités divines ont été conservées dans tous les éléments créés. Et cet écho, en fait, maintient les éléments créés dans le plan de Dieu. En fait, les éléments sont comme conservés, comme maintenus, comme si elle venait d'être créée en fait. C'est pour cela qu'après voilà, après le plus terrible hiver, eh bien, il y a des petits bourgeons qui reviennent, des feuilles, etc. C'est le plan de Dieu parce que les éléments de la création eh bien, contiennent tous l'écho de ce fiat créateur. En prononçant le fiat de la création, ma divine volonté en forma l'écho. En se répercutant à travers l'espace vide de l'univers tout entier, cet écho divin portait avec lui toutes nos qualités. Et il remplit le ciel et la terre de notre amour. On le sait, la divine volonté, elle opère, elle agit dans chaque élément créé, elle conserve les attributs divins, les qualités divines de Dieu. Vraiment, dans chaque petite chose, il suffit que nous nous unissions et nous allons recevoir ces qualités divines. Et donc vraiment, tout porte vraiment l'empreinte, tout porte l'écho de ce fiat de la création. En sortant de notre fiat, cet écho créa les choses les plus belles, les cieux, les soleils, les vents, les mers et beaucoup d'autres choses. Cet écho demeura en chaque chose créée et il maintient la vie du ciel bleu avec toutes les étoiles. Il maintient la vie du soleil et poursuivant son écho de lumière et de chaleur, il le garde plein de lumière entier et magnifique, tel qu'il le créa. Donc cela maintient les éléments tels que Dieu le veut, cela les conserve tels que Dieu le veut. Parce qu'il y a vraiment cet écho du fiat de la création partout autour de nous. Chaque chose créée garde ainsi l'écho de notre fiat qui est son commencement et sa préservation. Donc l'écho de ce fiat qui est maintenu partout eh bien, est vraiment le commencement et la préservation de chaque élément créé. C'est pourquoi elle préserve l'ordre, la puissance, l'harmonie et la magnificence de nos œuvres. Chaque fois que la divinité veut opérer et reproduire, serait-ce notre vie même, notre fiat forme l'écho, et cet écho crée et forme tout ce que nous voulons. Tu le vois aussi dans l'institution du sacrement de l'Eucharistie. Donc Jésus dit, voilà, partout où la divine volonté opère et agit, eh bien, il y a vraiment cet écho, en fait, de notre fiat de la création. Donc Jésus prend l'exemple, voilà, par exemple, dans le sacrement de l'Eucharistie, eh bien, notre fiat est formé, en fait. La divine volonté a formé le fiat de la création dans le sacrement de l'Eucharistie. Voilà, dans l'institution du sacrement de l'Eucharistie, où notre fiat a formé l'écho, l'écho investit le pain et le vin pour former en eux mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité. Cet écho résonne encore en chaque hostie et ma vie sacramentelle est continuellement perpétuée. Il y a vraiment cet écho du fiat de la création, vraiment cet écho du fiat dans l'hostie en fait. Ce qui permet eh bien, que la vie sacramentelle de Jésus soit continuellement perpétuée. Cet écho résonne partout en chaque hostie. Or, cet écho résonnait dans la création de l'homme. Eh bien, nous aussi, on a été fait par Dieu, on a été vraiment créé dans son amour immense, cet amour ad intra, vraiment entre les trois personnes divines, et s'est déversé en l'homme pour le créer. On a tout reçu, on était vraiment dans cette communication magnifique avec notre Créateur. On portait cet écho vraiment du fiat en nous, on portait cet écho divin en nous.
Et quand Adam a quitté la divine bonté, il a perdu cet écho. Et en fait, bah là, il a commencé à être perdu, il n'a plus rien ressenti en lui. Et donc, de là, ont découlé des harmonies, des ordres, etc. Donc, on n'a plus répondu au plan que Dieu avait pour nous, parce qu'il n'y avait plus cet écho en nous à la chute d'Adam. Or, cet écho résonnait dans la création de l'homme au départ, cet écho résonnait en l'homme. Mais en se retirant de notre volonté, l'homme a perdu l'écho. Il n'a plus ressenti à l'intérieur et à l'extérieur de lui le son doux, puissant et harmonieux qui avait la vertu de le préserver tel qu'il était sorti de nos mains créatrices. En fait, cet écho permet de nous maintenir comme Dieu le veut. Et on est les seuls de toute la création qui vraiment, on a quitté la divine volonté, donc on n'a plus cet écho, et donc on fait n'importe quoi, on ne répond plus au plan de Dieu pour nous. On ne se maintient pas dans ce que Dieu attend de nous. Il est alors devenu faible et disharmonieux. Pauvre homme, sans l'écho de notre fiat qui lui avait donné la vie, il était incapable de se réordonner. Il ne sentait plus en lui l'écho, c'est en fait un écho de lumière de son Créateur, l'écho de l'amour, de l'ordre, de la puissance, de la sagesse, des douceurs et des bontés divines. Eh bien, l'homme ne le sentait plus, ne sentait plus cet écho en lui en quittant la divine volonté. Sans l'écho de notre fiat, l'homme devenait comme un enfant qui grandit sans une maman, qui n'a personne pour lui apprendre à parler et à marcher. Voilà, si répondre à l'écho, en fait, vivre dans la divine volonté, c'est laisser en fait... Eh bien, Dieu nous a amenés là où il a prévu que nous soyons, en fait, à notre juste place. Et donc, vraiment, on répond juste à cet écho en laissant la divine volonté opérer et agir en nous. Mais si on est déconnecté de la divine volonté, il n'y a plus cet écho. Et donc, on grandit comme si voilà, on avance tout seul, on a étouffé la divine volonté dans notre cœur et on avance eh bien, comme un enfant qui n'a pas sa maman ou comme un élève qui n'a pas son maître pour lui apprendre à lire et écrire. Et s'il fait quelque chose par lui-même, ce sera désordonné. On n'a pas ce guidage, en fait. On n'est pas... voilà. Jésus nous appelle vraiment aujourd'hui à lui faire confiance et à le laisser tout faire en nous. Parce que ce plan magnifique, il l'a pour chacun de nous. On voit bien que toute la création est belle et continue vraiment à répondre au plan de Dieu. Et nous, l'homme, les hommes, on devient mauvais, on est triste. Il y a des hommes qui sont dans des désespoirs pas possibles, des burn-out, des dépressions, des suicides, etc., parce qu'on a perdu cet écho divin. Donc il est urgent que nous nous reconnections à la source pour que vraiment notre âme soit remplie de cette plénitude. En fait, que Jésus nous promet plénitude de sainteté, de bonté, de pureté, de beauté. Il veut tout nous donner, il veut qu'on soit heureux, il veut que vraiment on soit ses enfants magnifiques propriétaires de son royaume. Voilà, qu'on ne soit pas là par terre en haillon, à vraiment nous sentir mal, à nous sentir vide, etc. Mais qu'on soit remplis de toutes les joies célestes, tous les bonheurs divins. En fait, il veut tout nous donner. Et donc vraiment pour cela... on doit lui donner les commandes de nos vies. C'est lui qui doit gérer, en fait, puisqu'il a ce plan pour chacun de nous. Si on essaie nous-mêmes de gérer, eh bien, en fait, on va perdre cet écho et on va avancer n'importe comment et de manière désordonnée. Mais si on s'abandonne, eh bien, on le voit bien dans la création, où tout est magnifique, tout est incroyable. Eh bien, voilà. Cela doit vraiment nous donner l'envie de laisser Dieu agir en nous, de laisser sa divine volonté pleinement souveraine en nous. Tel est l'homme sans l'écho de notre fiat, un enfant sans sa mère, un élève sans maître. Mais si l'âme continue à appeler ma volonté comme commencement de tout son être, on appelle la divine volonté comme commencement de tout notre être, elle sentira son écho divin. Cet écho la rappellera à son commencement et résonnant en elle, il réordonnera à nouveau tout. Et tout comme notre écho s'est retiré de l'homme parce qu'il s'est soustrait à notre volonté, de la même manière, alors que les âmes le reconnaissent, l'aiment et ne veulent rien d'autre que notre divin fiat, l'écho de notre volonté reviendra parmi les créatures. C'est possible. Donc voilà, il suffit maintenant voilà, de revenir à Jésus et comme Jésus nous en a parlé juste précédemment, de nous exposer à sa lumière, à sa chaleur, en fait, de nous laisser travailler, en fait, d'être juste un petit peu disposé en donnant notre oui, en manifestant un petit peu de persévérance, un petit peu de constance. Et encore, c'est même pas nous, tout est grâce. C'est Jésus qui nous donne vraiment cette force de continuer. C'est vraiment cette soif de lire encore et de mettre en pratique. Eh bien, Jésus nous redonnera cet écho qui va tout réordonner en nous, qui va nous maintenir en fait comme il veut que nous soyons. Ça, c'est tellement beau. Le royaume de notre divin fiat est exactement cela. Le royaume du divin fiat, c'est cela, le retour de l'écho divin dans la créature. Le retour de notre écho divin, non pas l'écho lointain qui a souvent résonné aux oreilles de l'homme,
lorsqu'il se retira de notre volonté. Ce n'est pas un écho lointain, dire ah oui, je dois peut-être faire ça, etc. Non, mais l'écho continuel qui résonnera dans les profondeurs des âmes et qui, en les transformant, formera en elles une vie divine pour rendre l'homme à l'ordre dans lequel il a été créé. Pour rendre l'homme à l'ordre dans lequel il a été créé. Vraiment, ça va être cette voie continuelle qui va nous guider, qui va nous ramener à cette place, à cet ordre, et bien à cette place à laquelle Dieu nous attend, à cet ordre dans lequel nous avons été créés. Vraiment, qu'on soit beau, comme au moment où on est sorti des mains de Dieu, en fait. Voilà, plein d'amour. Voilà, qu'on soit continuellement dans ce retour d'amour avec la Trinité. Oh, c'est ce que je souhaite, Seigneur, pour tous tes enfants, pour chacun de nous, s'il te plaît, dispose-nous tous qu'aujourd'hui, il y ait vraiment des torrents de grâce, des pluies de bénédictions, que beaucoup d'hommes se sanctifient, que beaucoup d'hommes découvrent les écrits du ciel. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous allons te demander continuellement. Nous voulons vraiment que ton royaume arrive et vite, Seigneur. Alors utilise nos vies pour que nous puissions accélérer par nos vies, par nos réparations, par nos mouvements, que nous puissions nous offrir tout à toi pour vraiment que tu puisses être glorifié, que ta justice divine puisse être apaisée et que vraiment des cœurs soient touchés partout, vraiment. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir, bonne journée à tous.